Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une stratégie qui va vous permettre de faire les 100 manches facilement et rapidement et je vais même vous présenter un petit glitch pour être encore plus tranquille. Alors pour réaliser cette stratégie, il faudra vous rendre à la chambre 305. Bien entendu, il faudra débloquer l'arme spéciale de la map, la mettre Pack-a-Punch niveau 3 et vous placer au même endroit que moi dans le gameplay. Alors il n'y aura que deux spawns de zombies, il y en aura un à gauche et un à droite. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement faire du gauche-droite et tuer les zombies en illimité pour passer les manches en illimité. Alors je vous conseille d'utiliser le spécialiste buisson toxique, parce que grâce au buisson, vous allez ralentir les zombies. Donc dès que vous allez surcharger un peu de zombies et qu'ils vont se rapprocher de vous, directement le buisson va les ralentir et va leur infliger des dégâts. Donc au pire des cas, le buisson le tuera ou alors c'est vous qui le tuera. Alors cette stratégie est faisable en solo, à 2, à 3 ou à 4 joueurs. Alors si jamais vous manquez de munitions, il y a une boîte de munitions qui se trouve juste à côté de la chambre. Ou alors vous pouvez même récupérer les armes spéciales que les zombies vont laisser tomber par terre. Alors pour le glitch, c'est tout simplement le glitch que j'ai présenté hier sur ma chaîne YouTube, c'est le glitch pour ne plus avoir de Panzer. Donc là ce que vous faites, c'est que vous réalisez le glitch et pas besoin que le glitch soit parfaitement fait. Dès que le Panzer est bloqué, vous allez directement dans la chambre 305 et vous n'aurez plus aucun Panzer de toute la partie qui viendra vous ennuyer. Donc de là, vous allez être tranquille et vous allez pouvoir faire des XP en illimité et monter dans les manches en illimité très rapidement et très facilement. Alors bien entendu, si vous ne savez pas faire le glitch que je viens de vous parler, n'hésitez pas à aller en description et en commentaire épinglé, il y aura une playlist avec tous les glitchs de la map Moertertoten. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao. Peace.